devient raisonnable. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Non, mais ça va pas, les petits Mickey. Si, vas-y, dis-le. Un connard qui grimpe au rideau avec une radasse. Est-ce bien raisonnable? 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 Mais c'est quand même curieux que le mot commissariat vous donne des névroses. Moi, si j'étais juge... Mais moi, je le suis. Bonjour, monsieur le juge. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. Personne n'aime. L'ennemi public? Un petit frimeur, oui. Monsieur le juge par-ci, monsieur le juge par-là, il a bon dos, le juge. Hein. Je me suis vraiment fait piéger, moi. Traverser toute la France pour aider une pétasse... Qui c'est, ce type? Un mec? Un juge d'instruction. Regardez là-bas! Regardez là-bas! Hein, il va se passer quelque chose de terrible! Est-ce bien raisonnable? Coucou, c'est moi! Je ramène un juge! Non mais à qui tu racontes ça? Vous n'avez pas ce qui s'appelle un physique de menteuse. Vous n'avez pas non plus ce qui s'appelle un physique de salope. Pourquoi, il y a une salope? Et ça, c'est qui? Vous avez un revolver dans l'oreille. Oui, je crois. Dirais que tu m'as braqué, on me croira. T'es le malfrat, je suis le juge. Bien sûr, monsieur le juge. Superbe que vous soyez revenu. Mais c'est insensé, ça! Tu vires une copine, t'installes un mec! Si je dérange en quoi que ce soit... Non, non, vous dérangez pas. Vous indisposez. Pour moi, un juge, c'est un poulet. Et j'aime pas les poulets. Mais moi, ma petite, je suis pas un objet sexuel, moi. Je me suis pas arraché de prison pour faire fantasmer les loques du, moi. Des loques du? Non, mais dites donc, vous vous êtes pas regardé avec vos petites pompes jaunes. Cette personne aura fait le malheur de tout le monde, monsieur. Est-ce bien raisonnable? Et si on vous ramenait là-bas, grand coup de pompe dans le cul? Là, t'es dans la note. C'est pas tellement une question de mots. Ça serait plutôt une question de ton. Hein, ou avec un flingue entre les deux yeux. Est-ce bien raisonnable? Il y aurait bien une solution, mais elle est malhonnête. Ah. Je n'ouvrirai plus jamais de coffre. On croit que ça prend 5 minutes et ça prend 5 piges. Alors évidemment, c'est rien, mais 5 ans par-ci, 5 ans par-là...